Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous allons devancer l'Europe pour sortir de tous les tombeaux et récupérer toutes nos grâces. Alléluia. Guerrières et guerrières de prière, bénissons notre Dieu pour ce jour, pour la grâce renouvelée sur notre vie, sur celle de notre famille, sur celle du ministère famille des peuples, sur celle des membres de cette église virtuelle que nous constituons. Alléluia. Le psaume 5, à partir du verset 3, nous dit: Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. Le Seigneur veut déverser ses grâces et ses bénédictions dans nos vies. Alors levons-nous car il veut entendre nos voix par nos confessions en ce matin. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fais cette déclaration avec moi. Seigneur, quand tu t'es révélé à Josué en Josué 5, à partir du verset 15, tu lui as dit d'ôter ses sandales parce que le lieu où il était est un lieu sanctifié. Père, le lieu où je commence ma prière ce matin, je le sanctifie des quatre points cardinaux et j'y jette le sel. Bien-aimé, tu prends ton sel prophétique. Et si tu n'as pas le sel prophétique, sache que le geste que je fais, c'est aussi pour toi. Jette ton sel dans les quatre points et impose la domination de Dieu. Père, j'impose la domination de Dieu et des saints anges en ce lieu, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Proclamons trois fois notre glorie à patrie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Invitons la Sainte Famille et notre Saint Ange gardien et nos saints patrons en disant: Jésus, Marie, Joseph, Joachim et Anne, je vous donne mon cœur, mon âme et ma vie. Par cette eau prophétique, par cette eau bénie, bien-aimé, tu peux prendre ton eau prophétique, ton eau bénie, et par la puissance du sang précieux de Jésus-Christ Nazareth, fais-moi miséricorde. Fais également miséricorde à tous mes parents et à toutes les âmes du purgatoire. Bien-aimé, tu peux asperger ta maison, tu peux asperger ton lieu de prière, tu peux asperger. Fais comme moi. Amen. Continuons avec l'action de grâce. Mon Dieu, je t'adore et je te reconnais comme mon Créateur et mon Souverain Seigneur. Je te remercie de tout mon cœur de m'avoir gardé tout au long de cette nuit. Et ce matin, je désire poser toutes mes actions selon tes sentiments et tes volontés. Je demande la grâce de vivre cette journée dans une plus grande sainteté que les journées précédentes. Et si je dois t'offenser volontairement, corrige-moi, Seigneur. Sainte Vierge Marie, toi, ma mère, obtiens-moi la grâce de vivre une journée de sainteté et donne-moi ta sainte bénédiction. Saint Joseph, toi, mon Père et le protecteur de mon âme, protège-moi, mon ange gardien, Saint Michel, mes saints patrons et saints patronnes, et vous tous, des saintes et saintes des églises catholiques, orthodoxes et romaines célébrées aujourd'hui. Secourez-moi dans tous mes besoins. Priez pour moi afin que Dieu me garde de toute mort subite, de tout accident, de toute noyade, de tout feu, de tout péril au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, nous allons annuler à présent tout mauvais rêve que nous avons eu à faire avec ce passage. Daniel 4, à partir du verset 19, nous dit: Alors Daniel nommé Belshazzar fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit: Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belshazzar répondit: Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Annulant à présent tous ses mauvais rêves en disant Jésus trois fois. Jésus, Jésus, Jésus. Prie avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je commande et j'ordonne à chaque flèche de la mort dans mon rêve, à chaque flèche qui m'a été lancée, qui se retourne à l'envoyeur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout rêve de rétrogradation, de pauvreté, de chèque, parrainé par la méchanceté de la sorcellerie, soit annulé avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tout rêve où je fais, où on couche avec mon père, je me purge avec le sang de Jésus, afin que tout dépôt satanique soit ôté de mes entrailles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait, c'est fait, et c'est fait.
Et nous allons implorer la miséricorde de Dieu en prenant Romains 4 à partir du verset 7. Romains 4 à partir du verset 7. Alléluia. Heureux ceux dont les offenses ont été remises et les péchés effacés. Prie avec moi. Seigneur, plein de miséricorde, pur, immaculé, sans souillure et sans péché, purifie l'inutile servante et serviteur que je suis. De toute souillure de la chair, de l'esprit, de l'impureté causée par ma négligence et ma paresse, que toutes mes autres iniquités, paix, soient ôtées par le sang de l'agneau. De nouveau, j'ai trébuché en esprit, malheureux que je suis, asservi à la mauvaise habitude du péché, connaissant la richesse de ta compassion et l'océan de ton amour. Ô Dieu, pour les hommes, je m'en remets à ta miséricorde. Et je m'écris, ô Seigneur, j'ai péché. Aie pitié de moi, pécheur que je suis. Rends-moi immaculé par la grâce de ton Christ. Sanctifie-moi par la venue de ton Esprit Saint. Ô Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, par cette eau prophétique, par ton eau bénite et par ton sang précieux, mon Sauveur, fais-moi miséricorde. Fais également miséricorde à tous mes parents à cause de tous les sacrifices et les autels d'adoration que mes parents ont eu à faire. Que le sang de l'agneau me purge, asperge encore l'eau prophétique autour de toi et sur toi-même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, après ce bain prophétique, nous allons entrer en intercession prophétique pour que nous puissions prier pour tout ce qui est célibat, pour prier pour tout ce qui est célibataire, pour tous les célibataires, afin que Christ vienne encore briser toujours qui pèse sur la vie des enfants de Dieu. La Bible nous dit en Genèse 2, à partir du verset 18. Prie avec moi. Père qui est dans les cieux, qui me dit en Genèse 2, à partir du verset 18, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu lui as fait une aide semblable à lui. C'est pourquoi, ô Dieu, je commande que toute personne, toute confrérie qui travaille à m'arracher à la grâce du mariage soit frappée de confusion et que tous les plans succombent dans le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Prie encore avec moi. Seigneur Jésus, par l'épée flamboyante de Saint-Michel-Archange, je coupe tout lien démoniaque tissé par l'ennemi dans ma vie. Je commande que tout vêtement de mariage spirituel prenne feu et je mets le feu à toute chambre nuptiale démoniaque. Je déchire et je jette au feu tous ces vêtements des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait et c'est fait. Prie encore avec moi. Matthieu 27, verset 51 nous dit, et voici. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Oh Dieu, à cet instant où je crie à toi, je demande ton secours, Père. Étends ta main puissante et déchire tout voile démoniaque que l'ennemi a posé sur moi par le feu. Je consume tout voile qui empêche mon âme sœur de me reconnaître et de me voir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est fait et c'est fait. Et nous allons prier pour les couples en difficulté. La Bible nous dit en Marc 11 à partir du verset 14. La Bible nous dit, tout ce que vous demanderez en priant, si vous croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Prions ensemble. Jésus, trois fois nous prions. Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur Jésus, je viens devant toi. Dans la prière, pour mon couple en difficulté. Seigneur, tu as été le témoin de notre alliance de mariage. Nous sommes devenus une seule chair et je crois que c'est ta volonté que notre mariage soit restauré. Car tu as dit dans 1 Corinthiens 7, à partir du verset 10 et 11, que la femme ne se sépare point de son mari et que le mari ne divorce pas de sa femme. Je t'en supplie, oh Dieu! Mets en évidence tout ce qui bloque la restauration de notre mariage. Accorde-nous la grâce d'identifier et d'abandonner tout péché qui constitue un blocage à la restauration de notre couple et de notre mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, prie encore avec moi. Par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit et par la puissance
du calvaire de Jésus-Christ. J'ordonne la liberté de mon époux, de toute malédiction, de tout envoûtement qui ouvre la porte à l'esprit d'égarement et qui fait qu'il y a une mésentente au sein de notre couple. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, j'invoque le feu sur tout esprit de destruction. Je te rappelle que c'est la loi et la volonté de Dieu seul qui régit mon couple et ma destinée. Ainsi, je déclare, conformément à sa parole souveraine, que toute armée forgée contre mon couple est désormais sans effet. J'annule ton pouvoir par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, je brise ton pouvoir au nom de Jésus. Quitte ma vie. Je suis libéré de vos œuvres. Et il y a entente au sein de mon foyer. Il y a joie au sein de mon foyer. Il y a paix au sein de mon foyer. Il y a vie au sein de mon foyer. C'est fait et c'est fait. Alléluia. Et nous allons prier, bien-aimés. Nous continuons notre temps d'intercession. Et nous allons prier pour l'enfantement. Alléluia. La Bible nous dit en Exode 23, à partir du verset 25 et 26. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura donc dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Alléluia. Merci Seigneur pour cette bénédiction. Bien-aimé, la stérilité ne fait pas partie du programme de Dieu pour ses enfants. Si vous souffrez de stérilité, sachez que cela ne vient pas de Dieu, car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Prions ensemble. Sang de Jésus trois fois et nous prions. Sang de Jésus. Sang de Jésus, sang de Jésus. J'en eus toutes les visions, Père. J'en eus toutes les visions. Les rêves, les mots, les paroles de malédiction contraires à la conception et à la grâce de porter un enfant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu et le tonnerre de Dieu détruisent tous les cadenas démoniaques utilisés par l'ennemi pour verrouiller mon ventre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la stérilité est détruite dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, la stérilité n'a aucun pouvoir sur ma vie. Au nom de Jésus, la stérilité est démolie. Au nom de Jésus, le pouvoir de la stérilité n'existe plus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est fait et c'est fait. Nous continuons notre temps d'intercession et nous allons prier pour le travail, la promotion. La Bible nous dit en Jérémie 29, à partir du verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je dis projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Bien-aimés, priez avec moi. Dieu du ciel et de la terre, je proclame le psaume 24 aussi. Car à toi appartiennent les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent. Élève-toi en ma faveur. Et ôte le joug du chômage sur ma vie, ô Seigneur Jésus. Prie encore avec moi. Éternel, Seigneur Jésus, Dieu des miracles, comme tu as favorisé Joseph et Daniel, revêt-moi de ton manteau de faveur durant mes entretiens au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie encore avec moi. Père, je te remercie car toi seul peux me promouvoir, toi seul peux me positionner sur les rochers que je ne peux atteindre. Oh Dieu, exécute en ma faveur une substitution divine qui me fera progresser, qui m'établira dans ma promotion. Je serai à la tête et non à la queue. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est fait et c'est fait. Et nous allons prier pour nos finances, pour que nous puissions fleurir financièrement. Alléluia. Et la Bible nous dit en Josué 1, à partir du verset 8. Josué 1, à partir du verset 8. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite les jours et nuits afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Alléluia. Prie avec moi. Seigneur Jésus, tout homme fort de la pauvreté tombe et meurt au nom de Jésus-Christ de Nazareth avec ses haillons. Je commande que le sang de Jésus-Christ de Nazareth me libère de cet homme fort. Oh Dieu, prie encore avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma louange, tout pouvoir assis méchamment sur mon argent soit détruit par l'épée de feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tout géant satanique qui occupe ma terre, qui occupe ma terre promise et qui m'empêche de fructifier mes affaires, qui tombe et qu'il meurt au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, Seigneur Jésus, que toutes les lettres, rendez-vous, les communications,
venant de ma société, sois accompagné de ta faveur divine, transporté par tes anges et obtienne des résultats positifs en ma faveur. Au nom puissant de Jésus, c'est fait, c'est fait, c'est fait et c'est fait. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour nos voyages, nous allons prier pour nos papiers. La Bible nous dit en Proverbe 19, à partir du verset 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Alléluia. Priez avec moi. « Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, que toute pierre démoniaque posée sur mon visage soit roulée par les anges de Dieu vivant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon visage sort par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. » Priez encore avec moi. « Oh Dieu, Dieu de ma délivrance et Dieu de ma libération, envoie tes anges comme pour Paul et à Silas, libérez tous mes documents administratifs enfermés dans des prisons sataniques. Mon visa, mon titre de séjour pour ma naturalisation, pour mes titres de propriété immobilière. Frappe de ta main puissante tous les gardiens de ces prisons des ténèbres qui retiennent mon voyage, qui retiennent mes documents au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Puis on croit avec moi. Seigneur, je te recommande mon projet de voyage et j'invoque ta grâce, oh Dieu, pour que ce voyage réussisse, pour que je puisse faire toutes les démarches et obtenir l'obtention du visa afin que je puisse voyager en ton nom. Car ton aide, oh Seigneur, j'appelle ton aide, Seigneur Jésus, j'appelle à ton aide. J'appelle à ton aide, oh Yahweh, que ta faveur, Papa Jésus, soit posée sur ce voyage pour la plus grande gloire de ton saint nom. Amen. C'est fait, c'est fait et c'est fait. Bien-aimés, nous poursuivons ce temps d'intercession et nous allons prier pour la délivrance. La Bible nous dit en psaume 20, à partir du verset 8 et 9. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous tenons ferme et nous restons debout. Alléluia. Sang de Jésus, trois fois et nous prions. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Par l'intercession du Tout-Puissant. Par l'intercession de la Théotokos, la mère de Dieu, celle qui écrase la terre du serpent entier, que tout esprit de femme de nuit et de mari de nuit, sous couvert des esprits des eaux, qui endeuille ma famille, soit détruit par le feu mêlé de soufre au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Jésus, trois fois encore, nous prions. Jésus, Jésus, Jésus. Oh Seigneur Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau immolé dont le sang est pur, je t'invoque que tout prince démoniaque, tout sorcier qui a localisé mon étoile pour l'éteindre, je commande par l'autorité du nom de Jésus qu'il soit foudroyé par le feu et qu'il meure au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie encore avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, que tout hôtel générationnel qui réclame la vie de mes enfants, qui les pousse à la cigarette, à l'alcool, à la drogue, au vol, à la délinquance, à la prostitution, à toutes sortes de vices en ce jour, je commande que tous ces hôtels soient brisés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et qu'ils soient libérés de leur influence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions aussi pour la guérison afin que nous puissions nous porter bien. Alléluia. La Bible nous dit en Jérémie 17 à partir du verset 14. Jérémie 17 à partir du verset 14. Guéris-moi Éternel et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Car tu es ma gloire. Prie encore avec moi. Père, que toute marque maléfique d'infirmité sur mon corps soit effacée par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Par Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit. Que toute force de Goliath, d'héros qui ont causé le trouble, la maladie et l'infirmité dans ma vie. En ce jour, je bois le sang de Jésus et je vomis tous les poisons sataniques en moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu peux prendre ton eau prophétique, boire ton eau prophétique et laissez le sang de Jésus descendre en toi, cette eau prophétique mêlée du sang de l'agneau, descendre en toi afin de faire sortir tout le poison des ténèbres au nom puissant de Jésus. Prie encore avec moi. Toi, problème de longue durée, maladie de longue durée, infirmité de conditions de longue durée. Maintenant, prenez vos bagages et quittez ma vie. Prenez vos bagages et quittez ma vie. Prenez vos bagages et quittez ma vie. Je commande la guérison dans nos corps. Je commande que nous sommes sortis de tous les tombeaux de maladie. Que toute maladie connue, que toute maladie inconnue est ôtée par le feu du Saint-Esprit. Et que le sang de Jésus purge nos corps, nos âmes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait, c'est fait et c'est fait.
Bien-aimés, remercions notre Dieu car nous sommes exaucés, guéris, guéris de prière. Nous voulons dire merci à Dieu de nous avoir exaucés. Et nous vous attendons encore ce soir, bien-aimés, à Business Gathering, à l'école des hommes d'affaires en milieu africain. Nous vous invitons aussi à vous préparer pour la grande convention internationale des guéris, guéris de prière qui aura lieu le 26 au 31 décembre à la montagne du Christ libérateur. Bien-aimés, appelle les sœurs pour déjà prendre les renseignements pour que tu puisses être en ce lieu et nous allons vivre de grands temps avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis Dieu pour vos vies et pour tout ce que vous faites pour la maison du Seigneur en apportant vos dîmes, vos offrandes, vos charités et vos promesses. Appelez la missionnaire Josiane Amand au 01-02-11-96-07 et la sœur Florence Achia au 01-01-31-51-06. Que Dieu vous bénisse et que cette journée soit toujours bonne. Alléluia. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.